Tant que l'harmonie règne entre les licornes, Pégase et Poney terrestre, sa lumière illuminera les cieux au-dessus de la baie de Port-Poney. Et il y aura toujours une jeune ponette qui ne recule devant rien pour venir à notre aide à tous. Je suis réveillée, Hein ? Mais où est-ce qu'ils sont tous ? Au champ équestré, hein, pour la fête ! Et Hitch m'attend là-bas. Mais il y a quelque chose qui cloche. Mon sac ! Où est-ce que je l'ai laissé cette fois ? Mon sac ! Oh, ce lapin me l'a pris ! La petite fripouille. Et si j'utilisais ma magie de terre sur cette plante? Tada! Il faut juste que j'arrive à l'atteindre. Beaucoup mieux. Je suis prête pour la fête. Qu'est-ce qui se passe? Shimmerwing, c'est toi! Waouh, tu es vraiment forte pour un papillon. Qu'est-ce que tu faisais coincé ici? Désolée, je ne parle pas le papillon. Je crois qu'elle veut que je la suive. Faut y aller! T'es encore là? On ferait mieux de se dépêcher. La baie de Port-Poney nous attend. Je sais. C'est par là, hein? Oui. Mais le pont est cassé. On pourrait peut-être le réparer avec mes pouvoirs. Un peu de magie spéciale, easy! Mais je me souviens pas où j'ai laissé mes outils. Ils doivent pas être très loin. Oh, tu peux m'aider à les retrouver? Compte sur moi. Merci, Sunny. Tu as sauvé ce pont! À partir de maintenant, quand tu trouves une table comme celle-ci, tu pourras laisser libre cours à ta créativité et transformer le monde qui t'entoure. Merci pour ton aide! J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la magie. Je devrais aller trouver Hitch. Il doit m'attendre depuis longtemps. Et il est tellement à cheval sur la ponctualité. Te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. Tu es la dernière. La dernière? La dernière à quoi? À ne pas encore avoir participé à la compétition. C'est une nouvelle et grande tradition pour la fête de la baie de Port-Poney. Le poney berger, avec des lapins. Je suis obligée? Oh, je ne sais pas si ces pauvres lapins, ils... Ils adorent ça, ils me le disent tout le temps. Tu vois? Dans ce cas, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ces lapins n'arrêtaient pas de s'échapper en direction des champs équestréens. Il nous manque plus que 3 lapins, ils ne doivent pas être allés bien loin. Tu veux bien aller les attraper pour moi? Ils vont s'éloigner de toi quand tu t'approches. Guide-les jusqu'ici. Pas de problème, j'y vais de ce sabot. N'oublie pas que les lapins vont s'éloigner de toi. Poursuis-les et ramène-les vers moi. Bien joué, Sunny. Tu as un don pour ça. Mais on a encore du foin sur la planche. Rapporte des carottes avant qu'ils ne commencent à sautiller partout. On fera de toi une vraie ponette de berger, ma parole. Wow.
Bienvenue au camp d'entraînement intensif pour la compétition de poney berger. L'objectif est simple, faire franchir ces portails aux lapins. Plus tu ramènes de lapins, plus tu marques de points. Mais attention, les arches qui servent de but vont changer de côté. Il va peut-être y avoir un peu de compétition cette année. Génial! Champs équestrés, hein? Nous voilà! Ouais! Juste 2 secondes que je déplace toutes ces caisses. On devrait peut-être lui donner un coup de sabot? Non, surtout pas. Je les mets là, puis après je... Aïe! Je trouve qu'il s'en sort très bien. Il est tellement doué pour ça. Salut tout le monde! Vous voulez voir un spectacle fabuleux? Bien sûr! Absolument! Alors ne manquez pas la pétale parade! La pétale parade! Toute la ville sera là! Alors on y sera aussi pour te soutenir! Je vais amener plein de paillettes! Et je vais pouvoir essayer ma nouvelle chanson, elle déchire! Le refrain c'est... Bon, je serai là, pour t'applaudir. Parfait! On se voit là-bas, les ponettes! Ah. Je vais aller fabriquer des décorations! À plus! Et moi, je vais aller monter la garde devant le parc de la ville. Hey, où est-ce que vous allez comme ça? À la pétale parade, monsieur. Mauvaise réponse. Sunny Star Scout, c'est ça? Vous avez été désigné volontaire pour l'Académie de vol L. En tant que ponette volante débutante, vous devez immédiatement commencer votre entraînement. Mais je sais à peine comment voler. Eh bien, c'est le principe, non? J'imagine, oui. D'abord, nous allons tester votre motricité au sol avec une course d'obstacles. Attrapez tous les cristaux dans les temps et vous gagnerez peut-être le droit de vous envoler. Plus que prête! Enfin, je veux dire, oui, monsieur! Mm-hmm. 3, 2, 1, partez! Joli travail, Cadet Star Scout. On dirait une vraie pro. Vous avez bien mérité cela. Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne va! Ma belle affiche a été saccagée! Aucun poney ne viendra à mon spectacle maintenant! C'est scandaleux que cela puisse se passer dans la baie de Port-Poney! Qui ferait une chose pareille? Un poney mal intentionné cherchant à gâcher la fête à tout le monde! Nous devons le trouver! Ou la trouver! Comment ça, là? Tout le monde est suspect! Hmm? Il doit bien y avoir quelqu'un qui a vu quelque chose! Il faut interroger tous les poneys dans le coin. Je m'en charge. Le saboteur a une longue crinière bleue. Le coupable a le crin violet. Le suspect est une licorne. J'ai réuni tous les indices. Il faut que je retourne voir Boutchou. Beau travail de détective. Une licorne à la robe violette avec une longue crinière bleue. Je crois que tu sais aussi bien que moi qui a fait ça, Sunny. Non, ça ne peut pas être Izzy. En tant que shérif adjoint, je n'ai pas le choix. Je dois l'arrêter. Non, attends. Il faut que je lui parle. Espérons que tu la trouves avant moi, alors.
Pour ça, tu peux compter sur moi. Salut, Sunny. La fête de la baie de Porponet, c'est mon jour préféré. En fait, quelqu'un a abîmé l'affiche de Ruby. Oh non, c'est terrible. J'ai une idée. Un petit peu de magie et elle sera comme neuve. Mais oui, ça prouvera que ce n'était pas toi. Pas moi qui quoi? Non, rien. De quoi on a besoin? De peinture. Beaucoup de peinture rose. Tu peux en trouver? Oui, bien sûr. Oh, bonjour. Tu as besoin d'un peu de peinture? Oui, beaucoup de peinture rose. Fantastique. Et qu'est-ce que tu as à échanger? Échanger? Ben, c'est la fête de la baie Porponet. Pas d'argent, seul le troc est autorisé. C'est mauvais pour les affaires, mais bon pour le moral. Et qu'est-ce que vous voudriez contre toute cette peinture? Ben, j'aurais bien aimé être un garde Pégase quand j'étais petit. C'est chouette d'avoir une boutique, mais j'aimerais vraiment pouvoir essayer l'un de leurs casques. Tu pourrais peut-être en trouver un pour moi? Un casque de garde Pégase, c'est noté. Je vous en ramène un. Quoi? Mon casque? Pas de question. Demandez à un autre poney. Quel merveilleux costume t'intéresserait? Je cherche un casque de garde. Un casque de garde? Excellent choix, oui. J'en ai bien un, mais... Mais vous voulez le troquer contre quelque chose d'autre? C'est la tradition. Tout ce que je demande en échange, c'est une superbe fleur rouge. Une fleur rouge? D'accord, marché conclu. Ah, c'est une fleur rouge que tu veux? Je vous l'échange contre ce que vous voulez. Oh, j'aimerais pouvoir, mais je n'en ai plus du tout. Par contre, j'ai bien des graines de fleurs rouges plantées dans ces pots. Mais alors, je pourrais utiliser ma magie pour les faire pousser, si vous êtes d'accord, je veux dire. Naturellement, et c'est donc sur celle-ci. Absolument ravissante! Tiens, mon chou, un casque tout beau, tout neuf. Je crois que j'aime bien le troc. Il n'y a plus qu'à aller à la boutique de peinture. Regarde-moi ça! Oh, laisse-moi l'essayer. Ça vous va bien? N'est-ce pas? Pour Equestria! Ouais, pour Equestria! Un marché est un marché. Voici la peinture rose. Super! On peut réparer l'affiche maintenant! Pas mal! Oh, Sunny, tu m'as sauvé la vie! Avec plaisir! C'est un jour de fête après tout! Je retourne au Ruby Melody. La foule va bientôt arriver! Tous les poneys sont les bienvenus! Le spectacle va bientôt commencer! Tu as trouvé qui a dévasté mes pauvres affiches? En fait, non. Oh, peu importe. Elles sont très bien maintenant. C'est ce qui compte. Sunny, le public est là. Mais il y a quelque chose qui manque. Primrose, une de mes danseuses. Il ne peut pas y avoir de spectacle de danse sans danseuse. Tu peux la retrouver? Ça marche. Où est-ce qu'elle pourrait être? Je ne sais pas trop. Elle aime se cacher. Ah, et les smoothies. Ça devrait suffire. N'oublie pas, the show must go on! Hé, est-ce que c'est toi, Primrose? Oh, non! Primrose, elle est partie! Pouf! C'est toi, Primrose! Oui, c'est moi! Mais je ne peux pas aller au spectacle! Pourquoi ça? Quelque chose ne va pas? Juste, je n'ai rien à me mettre. Quoi, c'est tout? Je vais te trouver des habits. Tu ferais vraiment ça pour moi? J'ai besoin de 3 vêtements. 3? Je reviens tout de suite.
Avec ça, les compliments vont pleuvoir. Tada! Une tenue de scène a tombé. Ah oui, la commande pour le spectacle. Je les ai tous. Il faut que je les ramène à Primrose. Oh, tu les as tous? Mais oui, maintenant tu peux aller au spectacle. Mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Quoi? Pourquoi ça? Parce que... Et s'il n'aimait pas ses vêtements? Hein? De qui tu parles? Peach. De qui d'autre? Il est tellement gentil avec tous les poneys. Si attentionné et si... Si lui... Oh, je vois. Mais la mode, ce n'est pas trop son truc. Ah bon? Tu es sûre? Ouais, il est plutôt du genre à courir avec des lapins, tu vois. Je me disais que si je me montrais sur mon meilleur jour sur scène, je... Mais je suis trop timide. Pourquoi donc? Tu n'as aucune raison de l'être. Tu es parfaite juste comme tu es. Pour de vrai? Pour de vrai. Il suffit que tu sois toi-même. Tu pourrais juste aller le voir et dire « Salut !» Je sais pas, ce serait plus facile si j'avais une excuse pour engager la conversation. Et si, par le plus grand des hasards, tu avais un smoothie en trop à partager? J'imagine que ce serait une bonne excuse, oui. Il raffole des smoothies à la citrouille. Tu crois que tu pourrais m'en apporter un? Sans souci, Sunny, la spécialiste en smoothie. Mais mon chariot à smoothie est en réparation. Où est-ce que je vais bien pouvoir en trouver? Salut, salut! Le refroidisseur de mon chariot à smoothie ne marche plus. Tu pourrais me dépanner de deux petits smoothies? Je te revaudrai ça. Oh, bien sûr, Sunny. Avec plaisir. De quoi tu as besoin? Génial! Deux smoothies à la citrouille, s'il te plaît. Oh non! Je ne vais pas pouvoir t'aider. Je suis à court de crème de citrouille. Mais si tu m'apportes des citrouilles... Je pourrais en refaire. Oh! Super! Plus que deux! Ah! Parfait! Oh! Encore un! Ah! Ah! J'ai rassemblé toutes les citrouilles qu'il me fallait. Alors cap sur la boutique à smoothie! Et deux smoothies à la citrouille, deux! Merci infiniment. C'est juste des smoothies, c'est pas grand chose. Non, je veux dire, merci de m'encourager à être moi-même. C'est toujours le mieux qu'on puisse faire. Et n'oublie pas, il adore les lapins. Les lapins? Oui, tu voudrais bien porter ses vêtements à Ruby? Elle en aura plus l'utilité que moi. Bonne idée, des vêtements si tendance, elle adorera forcément. Des vêtements? Mais c'est d'une danseuse dont j'ai besoin pour mon spectacle! Et tu as besoin que je te trouve une nouvelle danseuse, c'est ça? Non, j'en ai une parfaite juste devant moi. C'est que... C'est le moment de tout donner, ma belle! Mets-toi en tenue, il n'y a pas une seconde à perdre! Trois, deux, un... Ooh.
Je ne savais pas que tu dansais si bien. Moi non plus. Tu es une excellente prof de danse. Pour te remercier, je voudrais te donner ça. Un badge de la fête de la baie de Porponet. Avec ça, tu vas pouvoir aller au parc de la ville et participer à l'épreuve avec les lapins. J'aime de plus en plus cette fête. Regardez-moi ça! Cette médaille te va ravir! Tu m'as l'air prête à tenter ta chance avec les lapins, je me trompe? Allons au parc de la ville. Et voilà! Tout est prêt pour la grande épreuve de quoi? Tout va bien? Non! Mon affiche! Ce n'est pas si mal! Regarde mes dents! C'est du sabotage! Il faut mener une enquête, oui. Pas le choix. Mais qui peut bien vouloir gâcher la fête comme ça? Vous avez bien dit enquête? J'adore les enquêtes! Détective Privézip, à votre service. Tu ne devrais pas être à ton académie de vol? Ouais, les poneys semblent plus intéressés par le bronzage. Et on a des témoins à trouver, ce qui est beaucoup plus amusant. Les poneys du coin doivent savoir quelque chose. Oh, d'accord, je vais mener l'enquête. Ce serait donc un Pégase qui aurait fait ça? Étrange. Une courte crinière rouge et bleue. Le suspect avait une fourrure blanche brillante. C'est tous les indices qu'on a, mais... On a tous les indices! Parfait! Mais cette description... C'est toi, Zip! Quoi? Mais j'étais même pas là! Les Pégases peuvent facilement s'envoler de la scène du crime! J'ai bien peur de devoir te mettre sous les verrous! Sûrement pas! Désolée! Oh! Criminel en cavale! Nous devons protéger la baie de Porponet de ses attaques! Je vais avertir les citoyens du danger qui les menace! C'est vraiment très étrange! Pourquoi mes amis feraient-ils des choses pareilles? Les cornes, ça va bien à Hitch! Tu trouves pas? Une vraie œuvre d'art! Pas faux, mais je crois qu'il préférait quand même qu'on la retouche un peu. On est obligé? Allez, juste un peu. De quoi on a besoin? De la peinture jaune, ce serait un bon début. Ça marche, je vais en chercher. Génial! Youhou! Un véritable chef-d'œuvre! C'est beaucoup mieux. Et ce portrait de moi est plutôt flatteur, hein? Oui, on a dû prendre quelques libertés. Eh, oui, bon, merci quand même. Bonne chance pour la compétition de poney berger. Je crois en toi. Ah, que des Star Scouts. J'ai entendu parler de vous. Mais, Zoom, on se connaît déjà. Vous vous souvenez? Des détails, tout ça, Cadet. Si vous êtes ici, c'est pour un examen de vos capacités motrices. De mes quoi? De vos prouesses dans une course d'obstacles avancée. Je suppose. Voyons voir de quel crin vous êtes faite. 3, 2, 1, partez! Eh bien, je suis impressionnée. Vous avez peut-être de quoi vous envoler vers les cieux. Voici votre récompense. Eh, mais ce sont mes rollers. Je les cherchais partout. Je vous en prie. Merci. Il se passe quelque chose de bizarre avec les animaux. Trois crabes se sont retrouvés ici, bien loin de leur plage. Tu veux bien les ramener par là, que je puisse les garder à l'œil? Contrairement aux lapins qui s'éloignent de toi, les crabes te suivront partout. Évite les flaques de boue, les crabes adorent s'y cacher. Et de trois. C'est super, Sunny. T'es une vraie championne. Et ces crabes, ils me donnent une idée. Le moment est enfin arrivé. Bienvenue à la toute nouvelle épreuve de poney berger, avec des crabes et des lapins en même temps. Plus tu mènes de crabes et de lapins à travers les arches, plus tu marques de points. Les crabes peuvent se cacher dans les flaques de boue, alors fais attention. Top!
Enfin, sache que tu n'as aucune chance de battre mon record. On va voir ça, mon pote. Impressionné? Moi? Non. Tu peux le dire. Bon, ok. Peut-être que je suis un petit peu impressionné. Haha, je le savais. Shérif Hitch, une autre terrible menace plane sur la ville. Menace? Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Des lapins furieux ont envahi les champs équestréens. Ils sont en train de bloquer l'entrée à la plage. Je vais aller voir, mais ça doit pas être si grave que ça. Oh, mais si! C'est très grave, Shérif Hitch! Tu peux y aller, Sunny. Je te retrouve là-bas. À vos ordres, Shérif. Ah. Avec cette histoire de lapin, je ferais mieux de retourner au champ équestréen. Citoyens de la baie de Port-Poney, il n'y a aucune raison de céder à la panique! Même s'il est vrai que nous vivons une époque effrayante. Car il n'y a pas un, mais au moins deux criminels qui rôdent en ville. Nous poursuivons nos enquêtes, mais tout ce que je peux vous révéler pour le moment, c'est que les coupables ne sont pas originaires de la baie de Port-Poney, puisqu'aucun d'eux n'est un respectable poney terrestre. Encore une fois, aucune raison de s'alarmer. Mais gardez l'œil ouvert. Que tout le monde se calme! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Il s'appelle Marcel et il a des revendications. Il dit qu'ils se sont emparés du chemin et qu'ils ne bougeront pas tant qu'ils n'ont pas gain de cause. Et ils veulent quoi? Il exige le versement d'un smoothie extra frais. Tu crois que tu peux en trouver un? Je dois rester là pour contrôler la situation. Et un smoothie extra frais, un. Tu veux un extra frais? Pas de problème. Mais attention, ils sont délicats. Il va falloir le livrer vite, ou il aura fondu avant que tu n'aies le temps de dire... Par mes sabots! C'est parti! Quoi? Une autre revendication? Maintenant, il veut des lunettes de soleil super cool. Des lunettes de soleil super cool? Oh, ok. Oh, c'est à nouveau toi. Alors comme ça, tu veux des lunettes de soleil? Rien de plus facile. Regarde le triste état dans lequel j'ai laissé la fleur que tu m'as apportée. Tu pourras la faire repousser? Bien sûr. Merci. Et voici. Bon, ça y est, vous pouvez y aller maintenant. Il dit qu'il a une dernière revendication. Trois ballons? Mais pourquoi faire? Bon, très bien. Trois ballons, ça marche. Je m'en charge. Compte sur moi. Regardez qui voilà! Cadet Star Scout! Vous voici à la course d'obstacles finale. L'ultime épreuve à franchir avant de vous élever dans les airs. Je suis prête, chef. C'est ça, la bonne attitude. 3, 2, 1, partez! Chapeau bas, cadet. Voici votre récompense.
S'il y a un criminel dans le coin, on le repérera. Mais les criminels semblent être une licorne et un pégase. Comment je peux savoir que vous n'allez pas protéger les vôtres, hein? À ma connaissance, être un pégase n'est pas un crime. En ce qui me concerne, toutes les licornes et tous les pégases sont suspects. Qu'est-ce qui se passe? Un autre acte de vandalisme! La fresque de l'Académie de vol a été saccagée. Je vois. Oui, nous devons... trouver des témoins, c'est ça? Exactement. Oui, oui, bien sûr. Je vais aller poser quelques questions aux alentours. Le suspect est un pégase. Et puis, ses ailes sont tombées. Le poney avait une crinière violette. Une robe rose cette fois. C'est bon, j'ai tous les indices. Très bonne enquête. Est-ce que ce signalement te fait penser à un poney que tu connais? Peut-être bien, mais un témoin a également trouvé ses fausses ailes. Oh, comment j'ai pu... Comment le criminel a-t-il pu perdre quelque chose comme ça? En tout cas, je salue ton travail, Sunny. Je vais... confisquer ses ailes, comme preuve. Je crois plutôt que je vais les garder, juste au cas où. Ah ouais, bonne idée. Et ne relâche pas ta vigilance, hein. On est tous en danger. Butchou a l'air de cacher quelque chose. Pourquoi tout le monde est sur les nerfs aujourd'hui? Ah, Butchou pense que tu as vandalisé la fresque de Zip. Quoi? Mais c'est absurde! Jamais je ne me salirai les sabots comme ça! C'est un alibi solide, je suppose. Essaie de ne pas te faire trop remarquer, d'accord? Mais c'est ce que je préfère faire! J'adore la plage! J'adore le sable! J'adore la mer! Il se passe un truc? Un peu, oui! On a du foin sur la planche! Plein d'affiches à remettre en état! Avec plaisir! Il va nous falloir pas mal de peinture! Ce panneau est immense! Tu veux de la peinture, c'est ça? D'accord. Apporte-moi une jolie bouée et je t'en donne. Une bouée? Je reviens tout de suite. Oh, elle est belle celle-là. Voilà ta peinture. C'est génial. Maintenant, il faut s'occuper de cette affiche. C'est évident. C'est un complot étranger. Les pégases et les licornes tentent clairement de gâcher notre fête. Mais ça n'a aucun sens. Ce sont nos amis. Tes amis à toi, peut-être. Tada! Tu deviens forte à ça. Et c'est grâce à toi, mon ami. Bienvenue à la course finale et blablabli et blablabla. Tu n'arriveras pas à me battre de toute façon. Mais tant que tu ne tombes pas dans l'océan, tu réussis l'examen. C'est vraiment génial! N'est-ce pas? Je veux dire, ouais, bien joué. Tu as bien mérité tes ailes. Félicitations! De la part de toute la famille royale! Zip! Ah! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Oh! Une seconde, c'était qui? On est à la mer! Il est temps de filer! Zip! Est-ce que ça va? Pas la grande forme! La magie a cessé de fonctionner! Il ne devrait pas y avoir de pégase dans la baie de Porponnet! C'est sûrement la faute d'une licorne! Elles sont dangereuses! Ouais, tout se passe exactement comme je l'avais prévu! Butchou, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi! Il se dirige vers les champs équestréens! Je vais le rattraper! Il est passé par là! Je dois trouver comment disperser cette foule! Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention de tout le monde! C'est le moment de prendre un peu de hauteur! Pas le Pégase, chelou! Les licornes ne sont pas les bienvenues ici.
tout le monde, stop! Vous ne réalisez pas, ça ne vous ressemble pas. Pégase, licorne et poney terrestre, nous avons tous les mêmes sabots, le même cœur, les mêmes rêves. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont nos voisins, nos amis. C'est en étant unis que nous avons chassé la peur et ramené la magie. C'est vrai que c'est bien la magie. Ouais, c'est pas faux. La magie. Un poney fait tout pour nous enlever à tous la magie. Et nous l'attraperons, mais ensemble. La ponette sur la plateforme d'en haut a raison. Ramenons la magie. Hé, Sunny. Butchou est allé se réfugier dans la vieille usine de Canter Logique. On doit le rattraper. Mais tous les poneys nous détestent maintenant. Qu'est-ce que ça changera? Tout ça, c'est une erreur. On est tous amis. Il faut juste qu'on attrape Butchou et il expliquera tout. Mais sans magie, on peut pas voler. Tous ces moments qu'on a passés ici, c'était super. Mais on devrait sans doute retourner aux eaux de Zéphyr avec maman. Là où les autres poneys ne nous détestent pas. Non, non, on va arranger ça. On doit faire quelque chose, mais comment franchir ces portes? Je vais aller jeter un œil, je trouverai peut-être quelque chose. Pourquoi vous n'arrêtez jamais? J'allais te demander la même chose. Vous... ça va aller. On va pas te faire de mal. Vous... Ah bon? Non. On veut juste que les choses redeviennent normales. Moi aussi, c'est ce que je veux. Les derniers mois ont été terrifiants. Il y avait de la magie et des poneys étranges partout. Je voulais juste... Butchou, c'est normal. Moi aussi, j'ai du mal avec les choses que je ne peux pas contrôler. Mais parfois, le changement est une bonne chose. Il révèle ce qu'il y a de meilleur en nous, si nous lui ouvrons notre cœur. Zip, tes ailes! La magie revient! Il y a des changements qui sont géniaux, comme le maquillage. Ou les paillettes! Ou... se faire un nouvel ami. Je me suis encore fourré le sabot dans l'œil. Mais vous ne m'en voulez pas, hein, n'est-ce pas? Mon ami, tant que la paix règne sur la baie de Porponey... Nous serons tous amis. Et l'amitié, c'est magique. Dis, Butchou, j'ai une idée qui pourrait te remonter le moral. Non. Et dansons!